Je viens de m'acheter deux jeux en dématérialisé, j'ai honte, mais ils étaient pas trop chers. Je viens de m'acheter Honiken et Strikey Sisters. Eh bien, je vais m'amuser à les essayer, tout simplement. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en live? Je vais commencer par piquer une grosse crise sur Honiken, je pense. Parce que je crois qu'il est pas simple du tout, ce jeu. Alors, je vais baisser un peu le son pour que vous ayez pas un double retour du son, mais j'espère que je vais quand même entendre quelque chose. Année 2000 et des brouettes. Non, pas de Starling, non, c'est bon. Le monde a été ravagé, j'ai pas réussi à lire. Avec le monde dans le chaos, une organisation militaire contrôle tout. Utilisant une armée cybernétique de soldats, ils éliminent tous ceux qui s'opposent à eux. Une petite résistance essaye de combattre, mais ils n'y arrivent pas. Quelque chose comme ça. Au bûcher. Pourtant, un homme peut changer le destin de cette bataille. Ouh, ça fait mal au crâne. Un guerrier sans merci qui est considéré comme je sais pas quoi, j'ai pas réussi à lire. Les machines ne peuvent pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter, sauf moi parce que je sais pas jouer. Ceci est l'histoire d'un homme appelé Zaku dans sa bataille contre le... Contre le Onikan. Oniken, je ne sais pas. Les scanlines sont dégueulasses. Je sais pas si ça se voit sur l'écran, mais les scanlines sont vraiment dégueulasses. Si pour faire des scanlines pareil, ça ne sert à rien du tout. Alors attends, on peut mettre en French? On peut mettre en French. Alors Berserk, c'est bouton B, donc frapper c'est B, pause c'est bouton plus, jump c'est bouton A, jusque là tout va bien. Et attaque c'est le bouton du haut, alors c'est quoi le Berserk? Ouais, c'est bizarre. Pour lancer une grenade, mettez la manette vers le haut. Pour faire un berserk, il faut acquérir au moins une épée, une sword item en place B. Ok. Bon, on va arrêter là, la doc. Hein. Bah, t'as de la chance de l'entendre, Mister Data, la musique, parce que je l'entends à peine. Salut, Ricanada. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat. Hein. J'ai pas dit bonjour. Je m'excuse. Bon, allez, je start. Et puis je vais découvrir Honiken. Alors je l'ai sur PC, j'ai jamais joué, donc forcément je vais l'acheter sur Switch, hein, c'est normal. Mais au moins je pourrais y jouer dans mon salon. Ah, c'est en français! Et même en français, j'arrive pas à lire assez vite. Permettez-moi de me présenter. Je suis le général Zhukov, chef de l'armée, je ne sais pas. Qu'avez-vous pour moi, mon général? Pardon. On fait face à une crise majeure. Notre base secrète située entre des plateformes pétrolières de la mer de l'Est a été attaquée. C'est un bon endroit pour une base secrète. On essaie de retenir l'ennemi pendant qu'on évacue les survivants. Mais la situation est pire qu'on ne le pensait. Leurs troupes ont atteint l'unité centrale. Mon Dieu. Est-ce qu'on passerait pas le scénario? Est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu du scénario? Je pense, hein? C'est les forbans qui ont fait la bande originale. Ah, je suis pas sûr que ce soit la Switch qui soit en défaut sur les scanlines, mais je pense juste la programmation, je sais pas quoi. Allez, on s'en branle du scénario, on va défourailler tout ce qui bouge. Ah, c'est très NES, hein. Ça fait très écran NES. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Des grenades, et là, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi, c'est des jeux? D'accord, je lance des grenades comme ça. Non, ça sert à rien, les grenades. Ok, ça commence bien. Bah écoute, ma foi. Je peux pas m'accrocher comme un Strider. Ah non, je peux pas. Ok. Quoi, purée. Alors, je vais essayer d'éviter de dire des gros mots. Je crois qu'il a perdu la tête. Eh, j'ai pu détruire son tir là où j'ai rêvé. Donc là, normalement, je peux partir en mode berserk. Ce qui sert à quoi? À ce qui sert à avoir un tir comme dans Strider. Ça ressemble à Strider, sauf qu'on peut pas s'accrocher, hein. Non, c'est con. Ok, donc c'est assez limité. Alors, je suis déjà plus berserk, là. Par contre, j'ai quand même un méga tir, j'ai l'impression. Une grenade. Ah oui, j'ai 6 grenades. On voit le compteur de grenades. Ouah, ça brûle!
là là. Bon. J'ai fait le premier scrolling, je l'ai fait. C'est déjà pas mal. Waouh, hey, calme. Putain, il est tank. Il y a... Ok. Je vais juste avoir The Rhythm of the Night. Salut Toykitch. Il y a un double saut. Ah non, il n'y a pas de double saut. Ouais. Je n'ai pas de double saut. Ça ne marche pas. C'est assez basique. Une grenade. C'est bien, c'est que j'ai l'impression que les grenades ne servent pas à grand chose vu qu'on ne peut pas de toute façon les envoyer très loin. Donc, je ne sais pas trop où ça va servir. Alors, je pense que je vais devoir me laisser tomber. Ça aurait été bien un double saut, mais... Perdu. Alors, merde! Alors, peut-être que là, la grenade va... Ça sert à rien, cette foutue grenade. C'est strictement rien, quoi. Ouais, on peut détruire les tyrannies. Et pour ça... Ah, merde! Je vous ai dit que j'allais rager, hein. Vous savez. Bon, ça, je vais l'éviter, ça sert à rien que je le... Alors, attends, comment ça... Oh là, doucement. Doucement. Ouais, ok. Je récupère des trucs. Petite tape. J'ai déjà presque plus d'énergie et j'ai plus que... J'ai encore 3 à coups aussi. Son prénom, ça doit être Fen. C'est nul. Pour ceux qui n'auraient pas compris, à coups Fen, bien sûr. Putain. C'est pas un Strider, non, on peut pas s'accrocher. J'ai cru aussi, je me souvenais plus, mais non, on peut pas s'accrocher. Je vois pas comment on fait pour éviter ces sortes de quoi. C'est des mouches, des têtes de mouches. Ah, de l'énergie. Oh purée. D'accord, ouais, si on peut tirer, si on peut détruire les tirs. Ouais, ça sent le boss. Oh, oh, c'est moche. Oh, c'est l'arbre. Merde! Pourquoi je peux pas passer au-dessus? Alors, les autres plateformes, on peut passer au-dessus avec la tête. Et là, que dalle, quoi. Où ça brûle? Vous avez bobo? Bon, alors, le pattern, c'est quoi le pattern de cette salle? C'est le pattern. Ok, donc. Mais c'est ça, quoi, je comprends pas. Comment je fais, là? Réfléchissement, vampire. On va réfléchir. Là, si je veux l'avoir, il faut que j'aille là. J'ai pas compris. Je suis malin! Yes! Tu l'as commandé sur PS4? Il est sorti en physique sur PS4, Toykitch? Un limited run ou un truc un peu moins limited? Putain, je recommence là, super. Je sais que je vais aller loin. J'ai bien fait de l'acheter. Et je me demande ce que ça donne en mode portable, si c'est un peu plus joli. Enfin, c'est pas que c'est moche, mais les skylines sont vraiment dégueulasses. J'aurais préféré ne pas en avoir. Mais merde alors! Putain, je joue ping-pong avec cette saloperie. Oh, salope. Salopio. Mais... Tout va très bien. Je vais essayer de passer en tête en mode berserk avec l'autre cochon style. Je vais aller doucement. Voilà. Peut-être que c'est. Yes, je l'ai eu. Ouais, c'est le skyline est dégueulasse. Je suis complètement d'accord. Je sais pas s'il y a pas d'option. Il y a quoi? Rien. Il y a restart, main menu et dans. Dans les options, il n'y a de rien à voir pour le dégager le skyline. Je sais pas pourquoi ils ont claqué ça par défaut. Ils se sont dit Yes. J'ai réussi à le passer dans le marché. Un peu d'énergie. Arrête d'avancer. Ok. Alors. Yes. Alors, là. Ah, j'aurais dû me refaire une deuxième fois, tiens. C'est pas grave. Oh, il va à la droite, là. Là, j'ai rien à craindre si je me mets là. Je pense que je peux.
Ça va être long hein, si je joue comme ça. Mais bon, au moins c'est secure. Hop, est-ce qu'il refait une deuxième fois? Non, je pense pas. Ça risque d'être long. Je pensais que je pouvais passer Berserk, là on est plus sur B moi. Sérieux, j'arrive pas à comprendre pour acheter des Next Gen pour tourner des jeux style rétro. Bah le problème c'est que sur Switch il y a que ça. Sinon c'est des rééditions de jeux Wii U que j'ai déjà, donc je préfère acheter un jeu sur lequel je vais m'amuser qu'un jeu que j'ai déjà fait sur Wii U et en plus le payer plein pot quoi. C'est triste hein, mais... Ah si, il y a des vrais jeux sur Switch. Il y a des vrais jeux Wii U. Qu'on me dise pas le contraire, parce que... À part Mario Odyssey, le reste c'est que des rééditions. Alors, ici... Putain, ça va être passionnant à regarder, je vous raconte pas. Est-ce que je peux envoyer une... Merde, je me cours dans les boutons. Ah ouais, du coup j'ai perdu mon allonge. Putain, je me mélange dans les boutons. Ça va plus du tout. Bon, il y a même pas une jauge d'énergie cette saloperie là pour que je sache où j'en suis. Ah oui, le Zelda, ils vont ressortir en 3D. Et il est pas super beau quoi, il y a un Tower Defense qu'il faudrait que je m'achète, mais pareil il est assez cher en démat, j'ai pas envie de mettre cher en démat. Avec des petits bonhommes, on dirait des petits bonhommes en pâte à modeler sur Switch, le rendu est super bien fait. Ah je l'ai eu, yes. Et je comprends pas qu'il y ait un rendu aussi lambda sur le remake de Zelda de ce que j'ai vu, enfin de ce peu que j'ai vu, après j'espère me tromper. Mais bon, pareil, le Zelda, je l'achète. J'en sais rien. Je l'ai même pas fini sur Game Boy. Je les ai en plus, en originaux. Alors là, je peux pas lire le chat en même temps. C'est totalement impossible, mesdames et messieurs. Et je suis mort, maintenant je peux le lire. Salut Gnundis! Bonne soirée! Alors. Ouais, j'ai du bol. Ça passe avec de la moule. On sait si il faut faire gaffe quoi. Putain, elles servent à quoi les grenades? Rien, strictement rien quoi. Et merde, la même en couleur. Putain, c'est pas possible. Oh non, je suis game over. Il y a un continu, il y a rien. Je dois recommencer à zéro. Bon allez, j'en refais une petite juste pour essayer d'aller plus loin. Je passerai au jeu suivant. J'ai acheté un truc, je sais pas si ça va être sympa à regarder, mais ce genre de jeu que j'aime bien, j'en avais un sur Vita. C'est un mur de briques. Ce que je voudrais dire RPG. Pas sûr. Mais ça a l'air bien sympa. Et plutôt joli. Cette version, mais ça peut t'intéresser. Ça dépend si avec des balls. Ou pas. Alors, ici. Décapité. Ah putain, c'est pas possible. Ah bah j'ai. En plus j'ai loupé le saut. C'est un peu
peu d'énergie, sinon ça va. Cochonceté. Ah, enfin, j'ai trouvé une utilité à la grenade. Ah, flûte. Ah, mais quel mapping bizarre de boutons aussi, tiens. C'est pas de ma faute, c'est la manette. Allez, salut Rika Dada. Bon, on recommence. Je peux le frapper deux fois. Allez, viens. Allez, merde, je voulais te frapper, mais quelle naze. Ouais, ouais, le perso, c'est... C'est Strider-esque, c'est, il manque juste qu'il s'accroche, quoi. Sinon, grosse repos. Strider, il arrive. Bon, ça dure encore longtemps. Ça dure encore longtemps. Ouais, le prochain, je crois que c'est bon. J'espère. Même pas, shit. C'est con, on peut pas enchaîner de coups, c'est pas hyper dynamique, quoi. Ou alors j'ai pas la, ou j'ai pas la technique, hein. C'est pas impossible aussi. Il y a peut-être moyen d'enchaîner plus de coups. Hein. Enfin, je regarde un let's play fait par un professionnel. Ah ouais, non, mais là en plus je me fais toucher. Salut Nive, Knive. Je sais toujours pas. Putain, mais je l'ai tué plus rapidement tout à l'heure. Ah, je recommencerai pour, hein. Sérieusement, là... Yes. Ça va. Bon. J'ai 3 vies. Ah oui, il m'a redonné le plein d'énergie, mais ça sert à rien si je loupe mon saut. Waouh. Comme là, par exemple. Bon, je vais essayer de pas faire la même erreur 15 fois. Heureusement que j'ai la SF30 Pro, hein, parce que avec le pad de base de la Switch... Et merde, oh, ça brûle. Ouh. Alors, ici... Voilà. Là, faut attendre un peu. Ça va passer. En fait, ça tombe toujours au même endroit, si je comprends bien. D'accord. Ok, le pattern se répète. Oh, un vaisseau, je ne sais pas quoi. C'est juste pour faire beau. Ah, putain, le skyline dégueulasse tout, quoi. Mission accomplie. Sherman se déchaîne sur Armstrong CPC. Faut que j'aille voir ce que c'est, quoi. Nous devons faire quelque chose. Il faut sauver Jenny et les autres. Ouais, allez, on s'en fout, on y va. C'est parti. Mission incomplétée. Yes, j'ai complété une mission incroyable. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu Amstrad qu'il faut que j'essaye? Ah non, je peux pas virer les skylines, c'est dans le jeu, il me propose pas l'option de les dégager. Ce que je voudrais essayer sur Amstrad, c'est les dents de ta mère, je crois. C'est un truc que j'ai vu dans Tilt, dans un Tilt, je me demande si c'est pas un Tilt que j'avais fait en vidéo. Et c'est un jeu que j'avais vu en tant que gamin, j'avais pas d'Amstrad. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Dents de ta mère. Le but du jeu, c'est d'aller pécho ta petite amie chez la belle-mère en pleine nuit sans te faire choper justement par les beaux-parents, c'est un truc comme ça. Ça a l'air d'être assez bizarre, mais ça a pas l'air d'être super bien réalisé de ce que j'ai vu. Je crois qu'il est sur les sites de téléchargement. Ah merde! Faut que je me concentre 2 minutes, sinon je vais pas réussir à le passer. Ah, ils ont essayé de faire un effet écran CRT en fait sur ce truc, c'est juste loupé. J'ai des paramétrages Recalbox qui réussissent à faire ça de manière nickel.
là c'est complètement pourri en fait. Ah ouais d'accord, c'est ça, on peut traverser ça. Ok, j'avais pas percuté. Donc c'était juste le décor. C'est dur. Et comment je fais pour récupérer les bonus si ça va trop vite là comme ça? Ok. Mais... God damn shit. Bon, bah c'est game over. Bien, mais c'est pas mal au Nikon, ma foi. Allez, je vais faire un... Non, il se fout ma gueule, j'ai voulu faire un give up, il m'a foutu... Oh, c'est un signe du destin. C'est qu'il veut que je réessaye de passer ce niveau, allez. Je vais faire un give up, voir s'il y avait vraiment des options qui permettaient de virer les scanlines. Il me semble pas, hein. Ok. Salut Fab! Ah, j'arrive pas là. Ah, une grenade, mais je m'en fous, je veux de l'énergie. Qu'est-ce que tu veux? Je me fous d'avoir une grenade à la con. Le vol de. Ah, y a un tir automatique. Ah, c'est mieux déjà. Ah, ouais, ça m'évite de me niquer le pouce. Hein. Ah, c'est bien. Vive le tir automatique. Oh, le boss! Alors. Esquive en deux boulettes. Des missiles autoguidés, des mines. Ouais, facile. Et finger in the noise. Allez, dans le bateau. Oh, ça a l'air d'être accessible une fois. Enfin, les premiers niveaux, en tout cas, une fois qu'on a compris les feintes. Comment je fais pour passer en dessous? Ah ouais, là, peut-être un peu moins. Ouh, les gros missiles, ça fait mal. Quoi qu'on peut les détruire? Non, non, pas trop. Quoi. Ah, là, j'ai une idée. Voilà. Ah d'accord. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Je pense que c'est lui qui a détruit le sol. Navy Moves. Ah, Navy Moves. Je vais essayer Navy Moves. Oh, c'est pas juste. Il me semble pas avoir passé le premier niveau. Alors. Ça va être dur. Quelque chose me dit que je vais galérer. Ok, pour une fois que les grenades servent. Qu'est-ce qu'il pète là? C'est ça me fait penser à... au début de contrôle quand le pont il pète. C'était une animation ça ou qu'est-ce qui se passe? Après l'énergie. Et ça me fait penser à Wonder Boy, les poulpes qui sortent comme ça. Et c'est un mix de plein de jeux. Ouais, une bonne grenade bien placée. Ah, c'est le vide, qu'est-ce que je suis con, j'ai cru que c'était une plateforme. Quelle tâche! Ouais, j'ai essayé quelques jeux espagnols, je voulais faire une vidéo spéciale jeu espagnol, c'est juste l'enfer. J'ai tellement rarement dépassé le premier niveau que j'ai complètement abandonné l'idée. Voilà. Le berserk, j'ai toujours pas quoi compris à quoi servait le berserk. Je dis pas que c'est pas faisable, hein. je dis juste que j'ai pas le niveau, mais vraiment pas. Allez, j'ai plus de grenades, non. Je me bourre dans les boutons puisque c'est pas un mapping classique. C'est pas vrai. J'ai plus d'énergie, je vais essayer de pas faire le pont ce coup-ci. Ils reviennent automatiquement, bien sûr. On sortira là, c'est le bon timing ici. J'ai plus de grenades. Alors, là par contre, c'est chiant. Ah là là, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Je m'avance de quelques pixels. Yes, ça va passer. C'est une partie plus simple. Ah, faut l'atteindre. Et Game Over que j'avais joué aussi sur Amstrad, qui est vraiment pas mal. Pareil, hein, c'est chaud pas mal. Ah, je parle et... Et je me fais
fait reculer. J'aimerais bien voir où va arriver le laser sur ma gueule une demi-seconde à l'avance, quoi. Oh non, on recommence pas au début, là. C'est une blague. Oh, c'est dégueulasse. J'aurais pu me remettre au boss, au moins. C'est vrai, j'avoue, le démat, c'est mal. Mais j'achète en connaissance de cause. Après, sincèrement, comme la Switch est craquable, le jour où le store est ferme, la Switch est craquée. Rien à foutre. J'ai acheté les jeux, je me démerderai pour la récupérer, il est merveilleux. Bon, c'est dur. Enfin, c'est dur. Non, c'est pas dur, faut rester concentré. Ça doit être faisable. Je vais essayer le give up, je vais regarder un peu les options vite fait, par curiosité. 13 plus, donc c'est start. Rien du tout, hein. Que dalle, nada, Ozob. Aucune option. Alors, comment je fais ? Voilà, alors, le autre jeu que je vais essayer, que je viens d'acheter, c'est Strikey Sisters.